Bonjour à tous et bienvenue pour notre dernière édition consacrée intégralement à Serge Guérin. Serge, à votre époque, comment se déroulaient les formations d'animateurs? Il y avait au moins deux stages d'une semaine par an, hein, où il y avait donc une formation qui était assurée par d'autres bénévoles, des responsables de Concordia. Bon, il y avait des formations un peu psychologiques, comment diriger donc un groupe mixte, et puis aussi essayer de faire un équilibre entre les différentes nationalités. Hein, pas qu'il y ait une nationalité qui soit trop représentée par rapport aux autres. Ces stages de formation, il y avait beaucoup de sujets. Et entre autres, on nous parlait de la cuisine, c'est-à-dire qu'il fallait des repas équilibrés, qu'il fallait 75 grammes de pâtes par personne, des proportions comme ça qui m'ont servi moi après aussi.